nicht lang sind wir gescheiden, bald fertig bei dir sein. Die kurze Frist in jedem, den Kisch in Liebe hat. De tourner un film de Georges Perros, non? Tu crois pas Oui, je trouve drôle que Georges paraisse, quoi. Mais on a l'impression de quelqu'un qui se prête d'un côté et qui se défend de l'autre. C'est l'homme qui veut passer inaperçu, qui ne veut pas être à l'avant-scène et qui a dit, je crois, dans un de ses aphorismes, je me suis fait un nom, N-O-N. Ouais. Vous voulez que je sois connu, c'est marrant. Ben non, mais parce que j'aimerais me faire connaître. Je suis très bien comme je suis, moi je m'en fous, quoi. Je veux dire, c'est pas... Non, mais il y a tellement de gens qui sont connus et qui ne veulent pas d'être connus, quoi que... Ah bon? Jean Dutour, par exemple, on le voit de partout, qui ça connaît bien, Jean Dutour. Pour démarrage, il y a un personnage insolite, quoi. Sur le port, on est habitué, enfin, pendant la période d'été... C'est différent, quoi. Et on voit énormément de monde. Il ne faut pas venir l'hiver tout seul ici. Mais l'hiver, évidemment, une silhouette sur le port. Dangereux. Ah non, moto. C'est ça, oui. Hein, des fois, pas de feu. Et encore, c'est pas moi qui espionnais la chose. Hein. La marée chaussée était là. Mais il y a eu de ça. Oui, non, c'est curieux, parce que... C'est curieux, oui, c'est vrai. C'est, vous êtes curieux pour ça, parce que... Moi, je suis curieux, pas moi. Je dis ce que je pense, c'est tout. Moi, je verrais un gars comme ça, je crois que je sauterais dessus, quoi. J'allais une fois encore vers cette Bretagne qui m'a très jeune fasciné, qui m'est aimant quand j'en suis loin, qui m'est douleur quand de trop près j'en subis la loi inflexible de pierre, de ciel, d'horizon. Les hommes partout se ressemblent, les lieux n'y pourront jamais rien, les lieux ne nous donnent à vivre qu'avec parcimonie. Je suis parti un matin de Paris et il m'a semblé que c'était... définitif, mais ça n'était pas définitif. Ça n'est jamais définitif. C'est devenu définitif à partir du moment où j'ai pu amener quelque chose, un autre. Je crois qu'on vivre seul, c'est difficile, vous savez. J'allais retrouver une femme qui m'attendait, avec laquelle j'allais devoir vivre, ce qui n'est pas, ne serait-ce qu'avec soi-même, une sinécure. C'était sérieux. Fallait recharger les accus, changer tous les meubles de place, mais en changer l'âme, comment? Qu'avais-je à perdre ou à gagner? Je me sens tour à tour valet, roi fou, cheval, pion, oh, le jeu d'échecs sur le grand damier de ma vie, et ce coin d'enfer dans mon crâne, porte battante à jamais. Une femme m'attendait, je ne pouvais plus reculer, j'en serais mort, conscience en berne. Je ne pouvais plus dire non à ce oui fugitif qu'un soir je mis à son oreille comme boucle, mais boucle de ma vie, boucle de ma stupéfaction de faire acte de présence sur cette terre qui n'en peut plus, qui geint, qui est malade de partout, qui va bien sauter un de ces jours quand on est à bout, on se suicide. Les hommes meurent de plus en plus gaiement, comme s'ils lançaient un à la vôtre aux malheureux qui restent. Les hommes sont dans une ornière, pourtant, parfois, l'inspiration d'un terrain resté vierge, à jamais indéchiffrable, à jamais indéfrichable. La Bretagne, c'est la mort de l'Occident, tout simplement. Et comme l'Occident est dans un état... moribond. Moribond, oui, enfin, partout, il y a des foyers de mort, enfin, en Occident... qui sont récupérés d'ailleurs. L'Occident va chercher la mort ailleurs encore. Et l'Occident récupère la mort parce que c'est un pays assez en grande difficulté. C'est un pays
intenable, n'est-ce pas? Alors moi, je trouve que tous les jours, je pense que c'est intenable. Alors il faut que je trouve une équivalence. Je trouve qu'aujourd'hui, l'homme est sans identification. Il n'y a plus d'identification à l'homme, donc il faut bien se trouver. Et moi, j'ai plaisir à vivre en Bretagne, oui, parce que la Bretagne m'a donné ça. Je suis à Saint. Georges arrive sans prévenir, jamais, il ne prévient pas. Je l'ai vu arriver un soir, au dernier bateau. Et puis, il est venu chez moi, on a pris le pot ensemble, on a parlé de tout et de rien, puis de choses qui nous concerne. Et puis le matin, Georges était parti par le premier bateau qui repartait. Il est venu comme ça passer la nuit à Saint. Imaginez que l'île de Saint est un poème, et un poème avec tout ce qu'il peut y avoir dans un poème, c'est-à-dire la mort et la vie, l'envers et l'endroit. Bon, eh bien. Et si je dis que les Sénans sont gays, ce qui est vrai d'ailleurs, eh bien ils sont dans la mort et la vie, comme tout le monde. Ce qui est tragique, c'est de croire qu'on va vivre éternellement, donc qu'on est un homme éternel et qu'on a sa retraite à la fin de l'année, enfin de nos années, et qu'on va être heureux à partir de la retraite. Moi, j'ai bien envie d'être heureux. J'ai pris ma retraite à vers 18-19 ans. Vivre ici, ça te paraît curieux, en fait? Non, moi, ça me paraît très possible. Eh ben, moi, je trouve pas. Non. D'ailleurs, tu es comme les gens d'ici qui m'ont souvent... quand on vient vivre ici avec eux, ça leur paraît suspect. Alors, ils pensent à tout, sauf au plaisir qu'on peut éprouver, hors toute espèce d'ambition, ou évidemment. Alors, ils cherchent à savoir pourquoi on vit avec eux, comme si... Ils se calomnient, j'entends par là. Comme s'il n'était pas plus agréable de vivre ici, quelle que soit la situation sociale, que de vivre, puisque tout le monde se plaint des grandes villes, etc. Bon, oui, c'est vrai. Eh bien, moi, après tout, je vois pas pourquoi je ne me paierais pas ce plaisir qui est gratuit, là. La mer que j'entends et la mer que je vois et dont je profite tous les jours, je suis toujours récompensé quand je sors de chez moi. Elle est toujours là, je suis toujours là, on est ensemble, c'est parfait. C'est pour ça qu'on parlait de la mort, eh bien, peut-être que c'est... Mais c'est pas la mort, ça. Moi, je me paye ça gratuitement toute l'année. La mer, pour moi, a été assez vite aussi une espèce de mort en mouvement, quelque chose qui est tragique. Pour moi, la mer n'est pas un lieu, je n'imagine pas qu'on puisse venir en vacances au bord de la mer, par exemple. Je trouve ça extrêmement dangereux. Enfin, c'est un peu oublié que c'est un monstre. Et alors, pour moi, la mer, c'est un peu ça. On peut glisser de la mer à la mort et à l'amour, comme j'ai essayé de faire euphoniquement. Et il y a certainement une vérité là. Alors, je suis près de la mort, effectivement, mais c'est une mort tout à fait gaie. Pourquoi Douarnenez? C'est pour la paix, quand même, pour la beauté de la chose, non? Bon, il fallait bien se poser quelque part. Je venais tout seul, je faisais tous les coins, avec mes valises derrière, sur la moto. Ici, dans en l'occurrence, à Douarnenez, c'est assez facile, parce qu'il y a une gentillesse naturelle qui est... ambulante, c'est-à-dire qu'elle est dans la rue, il y a un bonjour par 10 mètres ici. Quoi. Les gens à Douarnenez, et les Bretons en général, et je trouve ça très bien, ils ne se reçoivent pas les uns les autres, il n'y a pas de... À Paris, par exemple, on se saoule en famille le soir, quoi. On invite les amis et il y a des... Bon, ici, ça se passe dans la rue. Et tout se passe dans la rue. Tous les amis que j'ai, c'est dans les cafés que je les trouve, évidemment. On se retrouve dans les cafés. C'est pas une raison pour se saouler, mais c'est la seule manière de vivre un peu ensemble. Évidemment, on ne se dit pas des choses sublimes. Mais ça, c'est le côté port. C'est-à-dire qu'un port, c'est quelque chose qui vit quand les pêcheurs rentrent. Et les pêcheurs rentrent, eh bien, ce qu'ils font, ils vont dans les cafés, naturellement. Ils vont boire un petit quelque chose avant de rentrer chez eux. Vous avez bien connu Georges Perros, vous le connaissez bien. Oui, Georges. Oui, quand est-ce que vous l'avez connu? Hein? Quand est-ce que vous l'avez connu? Oui, Georges. En est-il, Georges? Oui. Quand est-ce qu'il y avait nous? Il y a 15 ans, quoi, c'est ça? Oui, il y a 15 ans. Avec nous, petit pêche, quoi. Oui, oui, oui. Ah ben, depuis, je les connais. Oui, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il est venu à Douarnenez, Georges Perros? En villégiature. Quand je suis venu dans le Finistère, j'ai eu l'impression de passer d'un pays plutôt froid, difficile,
à une grande famille. C'est-à-dire que le Finistère, tout à coup, j'étais en moto, et bien entre sur la route, enfin c'est un symbole, mais c'était un peu ça, il y avait des vieilles, des grands-mères et des enfants. Et j'étais tout à coup là, accompagné dans mon errance par des vieilles grands-mères. Alors les vieilles grands-mères, moi je ne suis pas contre, et les enfants. Et alors après, j'ai découvert les hommes, enfin les adultes. Mais les adultes, ils sont partout les mêmes. Pourquoi est-ce qu'il est resté alors? Oui. Il se plaisait bien, il s'est dormi. Parce que c'est un feignant. Ouais. C'est feignant, non, ouais. Souvent il était toujours. Bouc était toujours à Georges. Oui. C'était Bouc à Dido. Mais quand je suis venu, j'étais tout seul ici et Joss a été mon ami le premier qui m'a pris en charge en quelque sorte. Quoi. Quand je venais l'hiver ici, je venais l'hiver tout seul. Et je retournais à Meudon. Et voilà, j'étais comme la mère, j'étais travaillé. Mmh. Alors, j'étais travaillé, j'avais des plaies qui se formaient dans le crâne, comme ça. Et la Bretagne est un pays de cet ordre, c'est-à-dire qu'il y a de la magie dans la peau. Quand tu as connu la fascination bretonne une fois dans ta vie, tu es foutu. Il a découvert le secret de la Bretagne, celui que nous cherchons tous. Enfin, il le cherche aussi, comme nous le cherchons tous. Quelque chose de très profond en nous, que peut-être chaque homme porte profondément en lui, je ne sais pas. Je me suis donné des protections. Et des protections, pas d'ordre humain, des protections d'ordre, naturel. C'est-à-dire que la Bretagne, par exemple, pour moi, c'est une protection. Je trouve que la mère qui travaille à côté de moi en ce moment, qui est là, qui fait son travail, qui fait sa navette, comme ça, et bien, et les arbres, et le ciel, et tout ça, pour moi, c'est... Je me dis, au moins, là, eux ne me feront pas de mal. Ça, sans être l'étranger, entre parenthèses, il y a quand même un individu qui vient, hein, on ne le connaît pas, et on a une méfiance naturelle des choses... Moi, qu'on me serre la main fort, qu'on me serre pas la main, qu'on me regarde de face, qu'on me regarde de travers, pour moi, c'est terminé, cette histoire-là. Georges, personne ne le connaît, enfin, pratiquement personne ne le connaissait en dehors de René. René non plus, je connaissais pas René. Oui, mais il y a donc un temps de passage comme ça. Moi, quand je suis regardé dans le dos, je le sais. J'ai l'impression que Georges Perrault s'est arrivé à Douarnenez et puis qu'il a inquiété tous les Douarnenistons. Il a quand même une vie comme tout le monde. Il ne veut pas, d'ailleurs, faire l'animal rare dans le coin. C'est les autres qui le voient animal rare, c'est pas lui qui est animal rare. Si le type vous donne des preuves et des gages d'amitié, comment ne pas être avec lui, enfin, quoi. Il souffre de ne pas être aimé pour lui-même, pour ce qu'il est dans sa peau, tout simplement. Et ça, c'est une peau de, tendue de cette manière, c'est extraordinaire, bien sûr. Georges, quand on le rencontre, on a l'impression d'être dans la vie, enfin, il vous fait rentrer dans la vie, il vous fait rentrer dans la mort, il a ça en lui, c'est un corps qui parle, il est terriblement là. Pour avoir un enrichissement avec un tel bonhomme, où il faut être très 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 simple, parce qu'il aime les choses simples, mais alors très dégagé de tout opportunisme ou autre chose, ou alors il faut être quelqu'un qui en veut aussi. Donc à ce moment-là, il y a provocation chez lui, du fait qu'il y a échange. Non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Je n'apporte pas du tout beaucoup. Je suis un contre-poison, quoi. Dans la crise d'une population, de jeunes qui part sur Douarnenez, je trouve qu'il y a eu une révélation de la part de Georges et d'une autre personne qui est amie d'ailleurs à Georges Perrault et qui s'appelle Henri Manis. On trouve quelques êtres comme ça à Douarnenez qui se penchent sur le problème d'une vie. Sont deux êtres qui, pour moi, empêchent la ville de s'endormir. Je les mets tous les deux un peu en parallèle parce que ce sont des gens de spiritualité. Il y a l'un qui est donc Perrault, qui est poète, et Manis, qui est prêtre. Il était bon que Douarnenez trouve ces deux êtres qui sont là au service des autres. Il est terriblement là. Parce que je pense, enfin, parce qu'il s'est dépouillé, c'est un homme nu. Il a besoin donc des petits gestes quotidiens, il retrouve les mêmes visages, les personnes qui vendent les légumes, il retrouve les enfants, les femmes, les hommes, il retrouve donc un monde, je crois qu'il a besoin des autres, peut-être pour casser son angoisse. Je suis le type qui passe dans la rue,
qui lui-même bien, parce que après tout, je suis pas un salaud, je crois pas. Enfin, oui, ça va. Il y a pas, mais il pense rien de moi. Il s'en fout complètement. Je tourne en rond parce que je voudrais bien fuir quelque chose, mais quoi, j'en sais rien. Il y a un état d'urgence, ça c'est sûr. Quand je suis tout seul aussi, c'est pareil, j'ai besoin, alors je ne vais pas boire un coup, je fais des tours et des tours, comme ça, je suis dans une espèce de cirque. Tu n'as pas un circuit précis non plus. Si, mais malgré moi, depuis le temps que je glande dans les rues, tu penses bien que maintenant il est inscrit, je marche sur mes pas, quoi. C'est comme des traces, c'est comme des choses, c'est comme un escargot qui laisse des traces, alors... J'ai la... Enfin, c'est peut-être ça, l'écriture, j'en sais rien. J'ai besoin de confirmation, parce qu'autrement, c'est comme les gens qui croient en Dieu et qui sont chrétiens, et qui vont à l'église. On se demande souvent, si on ne l'est pas, pourquoi les gens vont à l'église tous les dimanches, même tous les jours. Eh bien, c'est la même chose. Ils vont tous les jours quelque part, parce que pour se confirmer en tant qu'existence, ben moi, comme je ne suis pas croyant, je suis plutôt sûr que croyant, j'ai besoin aussi de me donner un corps qui ne soit pas tout à fait celui que tout le monde voit et que moi je supporte comme je peux. Il a besoin de beaucoup de tendresse. Je crois que sa tendresse part lorsqu'il caresse ses enfants, Tania, son chien. Et il y a une complicité, je crois aussi. Quand Georges passe au marché, il y a une complicité connue ou inconnue des êtres. Et je crois que les gens ont besoin de son passage, comme lui il a besoin d'eux. On arrive ici par une venelle qui n'a pas de nom. On grimpe, on descend des escaliers, on passe par des couloirs. C'est une forteresse ici ou quoi? Oui, c'est une camisole de faiblesse. C'est là qu'on ne me dérange pas en général. C'est là que j'aime avoir la paix, tranquille, nécessité. C'est là où s'arrêtent les chemins où Georges Perros erre. Oui, enfin, c'est le cœur de tous ces chemins, puisque c'est à peu près au centre d'un lieu que j'ai élu, en quelque sorte, et qui est hanté par des fantômes qui sont miens. Pour travailler, il faut que je m'enferme totalement et que je me coince moi-même. Par exemple, là, en général, je ferme la porte à clé à l'intérieur. Je m'enferme à clé. C'est un repère, c'est une espèce de... C'est pour me refaire, enfin, c'est pour recharger mes accus. Je suis vacant tout à fait et c'est mon travail est là. Mon travail c'est ça, c'est de ne pas avoir à travailler mais d'être tout à coup surpris par quelque chose qui se pose sur moi, disons, comme un oiseau se pose sur l'épaule. Alors c'est-à-dire que c'est pour ça que j'écris des notes, ça va jamais très loin. Je peux pas écrire très longtemps, évidemment, parce que la fatigue arrive très vite et puis... Alors c'est ce qui est bien. Il y a des choses peut-être plus urgentes à ce moment-là qu'il faut faire. Ah, il y a toujours des choses plus urgentes. C'est ça. Je ne connais pas de repos parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Quelque chose de très urgent à faire et qui me fait ressortir et je vais encore à la recherche de cette chose très urgente. C'est ça, tu ne cesses d'interrompre ce que tu viens de commencer. Quoi. Oui, c'est-à-dire que je suis perpétuellement interrompu. Et mon travail, c'est ça. Mon travail, c'est de résister au travail. Lire, là, c'est une espèce de coma, je me débranche complètement. Je suis tout à fait débranché, je n'existe plus, et je lis comme... Le manuscrit que je lis m'anesthésie totalement. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de me laisser absolument dans l'abandon total. Et s'il arrive quelque chose, eh bien, je le note, disons. C'est ça, les notes, c'est ça le problème. Alors, j'ai un petit cahier, un petit carnet... Et je n'écris pas, en fait. Je c'est un pense-bête, quoi. J'écris pour me rappeler ce que j'ai à écrire, si tu veux. Quoi. C'est ça. Ça arrive, quoi. Alors, et puis, comme je suis paresseux, je laisse ça tel quel. Après, on dit que c'est naturel, évidemment. Et on l'édite. Oui, bien sûr. Pourquoi pas, ça fait partie d'une catégorie d'écriture. Il y a les notes. Mm-hmm. Ça ne se vend pas, mais il y a les notes. On l'édite, oui. Enfin, on l'édite, oui. On l'édite. Ça, c'est pour les papiers collés. Ouais. Les... Mm-hmm.
Le travail est une chose pour moi très difficile à comprendre. Je comprends très bien si je clouais des caisses ou si j'étais un travailleur manuel. Ce qui me manque, c'est ça, c'est que je suis, on dit, un intellectuel, et c'est vrai. Alors un intellectuel, c'est très curieux comme travail, naturellement. Et je n'ai pas la chance d'avoir un chantier devant moi de travail, c'est-à-dire, je ne suis pas romancier, par exemple. Alors un romancier, il en a pour 3-4 mois de travail, quoi. Moi, par exemple, je ne peux pas travailler mes poèmes parce que ils ne sont pas susceptibles d'être travaillés. Ça me désole, d'ailleurs, je suis désolé par ça. J'écris très très vite les choses et je ne peux pas y revenir parce que j'ai même pas besoin de corriger, c'est comme ça et puis c'est tout. Je n'ai pas de langage arrêté justement parce que, quand, je te disais tout à l'heure, quand on me demande un texte, alors là mon langage je l'arrête, c'est comme un flic qui arrête la circulation. Mais autrement, moi non, je laisse aller et je suis pris en écharpe par ce que j'écris. Si tu veux, le poème pour moi c'est ça, c'est quand je suis pris en écharpe, donc je suis pris dans un mouvement. Hein, un peu équivalent au crachin. Ici quand il pleut pas d'une manière... vertical comme ça, comme dans le midi, il pleut comme ça, c'est une espèce de manège. Flou. Oui, alors il y a une espèce de jeu comme ça, et le verre pour moi, le mien, c'est ça, il est comme ça, il tourne sur lui-même, et puis il revient sur lui-même. Alors c'est une espèce de petit élément comme ça, de petit mouvement, et moi je me laisse faire naturellement, mais par exemple, j'ai pas écrit un verre depuis des années. Moi, j'ai écrit beaucoup de poèmes quand j'étais jeune. J'ai commencé à écrire des poèmes vers 14-13 ans, par là. Comme tout le monde, quoi, en fait. Comme tous les gosses. C'était parfaitement idiot, quoi. C'était nul. Mais enfin, je trouve que c'est intéressant. Je veux dire, par là, que c'est très bien d'écrire des vers à 12-13 ans. C'est très bien, ça. Parce que ça fait mettre la main à la pâte, quoi, tout de même. Hein? La poésie, en général, ça devrait apprendre à lire, mais comme l'enseignement est une catastrophe, naturellement, la poésie, on ne devrait pas l'enseigner. Naturellement, il ne devrait pas y avoir un seul poème dans les bouquins d'éducation, parce que c'est très nocif, parce que ça fait croire que la poésie est un luxe et que Baudelaire est un poète. Enfin, donc, si c'est un poète, c'est pas un homme comme les autres, et si c'est pas un homme comme les autres, alors il est investi, c'est pas un pouvoir extraordinaire. Donc ça veut dire que le poète devient quelqu'un d'élu. Uh-huh. Alors si le poète est élu, il n'a plus aucun intérêt, parce que si c'est pas la peine. Si on est élu, on est coincé dans notre élection, c'est pas amusant ça. Moi je crois que tout le monde a la poésie dans la peau, c'est le fait d'exister qui est la poésie. Alors chacun, le fait d'écrire n'est pas pour moi, le fait d'écrire des vers n'est pas pour moi signe de poésie, attention. J'avais des idées sur la question un peu infantile. Je voulais pas être édité parce que je trouvais ça un peu comme une trahison, un peu comme aujourd'hui avec la télévision, des choses comme ça. Mais finalement, je le fais. Uh-huh. Eh bien, je voulais pas être édité. Et c'était un peu, un côté, c'est vrai, c'était un peu infantile de ma part, ça. Et puis je me suis dit pourquoi pas, après tout, il faut bien dire ce qu'on est, il faut bien dire ce qu'on est, et être jugé par les autres, et s'ils me disent que je suis un idiot, je ne les croirai pas naturellement, ça ne me dérangera pas tellement puisque je ne les croirai pas, mais je saurai que ce que j'écris n'a pas dépassé une espèce de... Il y a un petit mur du son pour l'édition naturellement. C'est ça. Cela dit, il y a tellement de livres qui paraissent qu'on ne sait plus, quoi. On ne sait plus. Et ça se vend bien la poésie maintenant? Ah bah pas la mienne, mais il doit y avoir des types qui, oui, sans doute, Prévert se vend bien. Ouais. Georges Perros, vous avez fait paraître chez Gallimard 3 livres jusqu'à présent, en attendant le 4e, qui j'espère viendra. Les papiers collés, les poèmes bleus et Une vie ordinaire. Et ces livres ne sont pas d'une forme, disons, classique. Vous dites vous-même, d'ailleurs, que ce qui vous intéresse, c'est l'inachèvement. En ce qui concerne les papiers collés, par exemple, c'est assez flagrant. Oui. Quand on est bossu, quand on est cul-de-jatte, on dit qu'on ne fera pas le Tour de France, quoi. Alors moi, l'inachèvement, c'est parce que quand je commence, quand j'écris, je crois que je vais écrire longtemps et que ça va être bien. Et puis je m'aperçois très vite que c'est très court et que je peux pas aller très loin. Alors ce sont des bouts qui se... Finalement, ce qui est possible, c'est pour ça qu'il y a tout de même un livre, c'est parce qu'on veut bien croire que c'est un genre littéraire. Mais c'est un peu posthume, si vous voulez. En général, ce sont des bouquins qu'on publie après la mort du type. Et alors, moi, c'est un peu prématuré, quoi. C'est juste. Et alors, quand les gens aiment bien, d'ailleurs, ce que je fais, des amis en général, d'ailleurs,
C'est ce qu'ils me disent. Et ils me disent aussi que ce que je fais ne ressemble pas à grand-chose, que c'est... Alors ils viennent voir, c'est pour ça qu'on vient me voir d'ailleurs. En général, c'est peut-être pour ça que vous êtes venus. Dans vos livres, il y a un côté moraliste, non pas que vous... Oui, c'est un terme péjoratif, je sais. C'est un terme péjoratif. Je ne veux pas dire par là que vous essayez de faire la morale aux autres, c'est absolument pas dans votre personnage, ni dans vos intentions. Mais à chaque fois que vous observez vous-même ou que vous observez les autres, on a l'impression que vous avez toujours envie de démêler cet étrange animal qu'est l'homme. Oui, je voudrais trouver, je ne suis pas le seul d'ailleurs, il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, je voudrais trouver une éthique, évidemment. Alors, on peut appeler ça le métier de vivre ou des choses comme ça. Mais je suis toujours embarrassé parce que j'ai des obstacles qui n'ont rien à voir avec la littérature. Et comment est-ce que vous espérez vous en tirer? Comme vous, mon cher. Comment voulez-vous vous en tirer? Est-ce que vous avez envie de vous en tirer? Mais de tirer de quoi? Enfin... Oui, je me tape l'existence dans sa brutalité. C'est-à-dire que je me brutalise. Je suis... Ben, on en parlait l'autre jour aussi de ça. Je ne suis pas gentil avec moi, quoi. Je me traite très mal, quoi. Je me fais plus mal qu'on ne peut me faire. Comme ça, on me fait pas mal, quoi. Comme ça, je suis tranquille, quoi. Je suis déjà couvert, moi, de bleu, alors on ne peut pas m'en faire beaucoup, quoi. Est-ce que vous envisagez sans horreur de gagner ou de posséder un jour beaucoup d'argent? Je suis pas contre, moi par exemple, je publie des... Enfin, c'est pas moi qui les publie, c'est monsieur Gallimard qui publie mes livres. Si mes livres étaient vendus 500 000 exemplaires, je suis pas contre. Je suis pas contre. Qu'est-ce que je ferais de cet argent? Ça, j'en serais rien, parce que j'ai pas l'habitude d'en avoir, mais si mes livres se vendent, c'est très bien, moi je veux bien, je ne demande pas mieux. Et ça ne vous poserait pas de problème? Aucun. Un problème, tout le monde serait très content autour de moi. Tout ça n'a pas de sens pour moi, pas de sens du tout. Il y a une liberté, il y a une pellicule, puisqu'on est en train de pelliculer là, et bien il y a une pellicule de liberté. Et moi je me suis attaché à cette pellicule de liberté, tant pis pour le reste. L'ennui c'est que je suis marié et que j'ai trois gosses. Alors ça, ma femme n'est pas d'accord avec moi, naturellement. Parce que quand le 20 du mois il n'y a pas d'argent, elle m'en demande et moi j'en ai pas. Alors là je me trouve mauvaise conscience. Je crois qu'il y a tout de même un bonheur, il y a une possibilité de bonheur. D'ailleurs, les gens qui sont sur les terrasses de café l'été et qui regardent les clochards passer, la réflexion permanente et absolue, c'est comme ils sont heureux. Et comme dans le fond, c'est eux qui ont raison. Alors moi, je veux bien. Moi, je suis d'accord. Seulement, encore faut-il faire un petit effort pour arriver à ce bonheur. Ce qui m'a toujours frappé, c'est ça. C'est les gens viennent à moi dans un lieu et disent aux autres comme vous êtes heureux. Et ils s'en vont. Ce qui pourrait vouloir dire que les hommes n'ont pas envie d'être heureux. Parce que si on dit à quelqu'un qu'il est heureux, et pas du tout parce qu'il a de l'argent, ou pas du tout pour des raisons difficiles de compétition sociale, eh bien pourquoi ne pas vivre ici? Pourquoi ne pas rester ici, hein? Mais le problème du bonheur serait donc de rester. Le problème du bonheur, ce serait de rester où rien ne vient nous empêcher d'être heureux. Oui. Si on peut voir, salut. Bonjour, ça va? Comme tous les matins. Mmh. Ouais. À thé? Oui. Bien. Je me suis retiré du néant à peine. Je suis presque sans rien sur le rivage. La confiance, la foi, le courage, je fis pour eux un effort d'insecte fervent. Des algues me couvraient, avec des coquillages, je jouais. Même quand je joue avec les branches qui me couvrent, je suis avec vous tous, je suis votre peur de la mort. Après une vie fragile, préoccupée, je repose dans un paisible enclos. Je prends enfin des vacances parmi des grandes plantes et parmi de la terre qui ne bouge jamais. Les lierres, les orties qui poussent spontanément sont mes complices. Ils me parlent de l'air que j'ai tant respiré et qui est un peu comme une chose à moi. Dans rien, je ne suis plus pour rien. Je vis de pensées sans origine, sans avenir, sans souvenir. Je suis de nouveau compagnon de la force du limon. Moi qui me suis dressé sur les choses terrestres, seigneur et maître,
Elles s'étendent maintenant sur moi. Pas mal, hein? Voilà, c'est très bien. Merci. Il cause pas beaucoup, on peut pas dire. Je sais qu'il aime... Enfin, ça dépend avec qui, hein. Je suis pas de sa qualité pour parler non plus, quoi. Que savez-vous de lui? Il habite Barnier depuis longtemps, quoi, hein. Et que... Ma foi... Qu'est-ce qu'il fait? Pas très affaire. Critique littéraire, ça, je sais qu'il est. Non? C'est-à-dire? Et puis, il fait des poèmes aussi. J'ai lu des poèmes de lui? Oui, poèmes bleus. Les poèmes bleus, les premiers, là, j'ai lu de lui. C'était très bien. Il est toujours seul. Et après dîner, il vient prendre son café aussi. Toujours, toujours seul. Il n'est pas trouvé drôle, quoi. Hein? Après, dit autrement, il va ailleurs, certainement, mais enfin... Quand il est resté 3-4 jours sans venir, il... Je sais pas enregistrer ça, hein? Si? Non, non, vous dites, là, quand il est resté 3-4 jours. Hein? Quand il est... 3-4 jours, quand il revient, il me dit, vous ne l'avez pas trouvé drôle, quoi, c'est qu'il est parti à Paris ou ailleurs. Je lui ai dit que je n'étais pas forcé de savoir où il allait. Hein? Alors on rit tous les deux après, quoi. On rit de ça. Puis c'est tout. Puis reparle-moi un peu de Georges. Comment tu le connais? Ben, je l'ai connu... C'est un gars que j'ai remarqué comme ça, sans vraiment le connaître. Je le voyais tout seul, partout, mais alors... Comment expliquer? C'est très difficile parce que je me demandais vraiment ce qu'il faisait comme travail d'abord et d'une, je ne voyais pas. J'avais aucune idée de son travail à ce gars-là. Et puis j'ai appris plus tard, quoi, il y a peut-être 3-4 ans de ça, quand j'avais connu par René Pichavant, j'ai su l'apprécier. C'est un gars qui est tellement, tellement bien, tellement simple, c'est pas. Enfin, il est unique sur la terre, quoi. Que je connaisse moi, si c'est un type. Dans la région, je ne connais pas de comme lui. C'est un ami, mais c'est un ami difficile, hein? Un ami difficile, non. Si, il a de mauvaises humeurs, il est en mauvaise humeur souvent, il râle, il gueule. Lui. Ah, mais oui, mais parce que je trouve qu'il est tellement droit que tout le monde soit comme lui. Je trouve une anomalie que l'on fasse, ça arrive malheureusement assez souvent. Pour Georges, c'est pas possible, c'est incompréhensible. C'est un homme vrai. C'est un homme dans le sens propre du mot. C'est un humain, dans le sens propre du mot, quoi. Il voudrait sûrement que tout le monde soit comme ça, mais malheureusement, on ne sait pas encore. Cette race d'hommes, on n'en fait plus, le moule est sûrement cassé. Les oiseaux, par milliers, ils volent vers les feux, par milliers. Tombe par milliers, il se cogne par milliers, aveuglé par milliers, assommé par milliers, il meurt. Le gardien ne peut supporter des choses pareilles. Les oiseaux, ils les aiment trop. Alors, il dit, tant pis, je m'en fous, et il éteint tout. Au loin, un cargo fait naufrage, un cargo venant des îles, un cargo chargé d'oiseaux, des milliers d'oiseaux des îles. Des milliers d'oiseaux noyés. Et ben voilà, Georges, c'est la dernière séquence. On a passé quelques jours ensemble. Oui. On a essayé de se connaître un peu mieux. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors moi je pense beaucoup de bien, je suis presque tenté de vous remercier et d'être venu. D'abord c'est une expérience que j'ai faite et que de voir votre travail. D'abord moi je ne savais pas ce que c'était que la télévision, maintenant je sais.
Et je préfère effectivement le travail des techniciens, enfin le travail qu'implique la télévision, plutôt que le fait de la regarder. D'abord, moi, je ne l'ai pas. Et évidemment, de me sentir pris dans cette espèce de filet dont les mailles se sont serrées au fur et à mesure du tournage m'a un peu éprouvé. Mais c'est normal. Moi, je trouve que c'est très courageux de votre part d'être venu jusqu'ici. Parce que c'était et ça reste assez risqué, naturellement. La vie d'un homme est imprenable. À moins que cet homme soit spectaculaire, ou artiste, ou virtuose, ou très célèbre. Alors venir comme ça, par amitié, chercher à trouver la petite bête du cœur d'un homme et la petite bête de son existence, c'est extrêmement difficile. Mais enfin, je pensais que ce serait plus difficile pour moi. Je pensais que ce serait plus... Je n'ai pas eu du tout la sensation de cabotiner ou d'être trahi ou espionné parce qu'il s'est passé quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas. Enfin, toi et moi, on se connaissait un peu, mais je ne connaissais pas tes amis de la technique. Et pour moi, ça a été très important de les sentir un peu, enfin, complices de mon sort de ce que tu me demandais, de ce que tu venais me demander. Je trouve qu'ils sont rentrés dans le champ, puisque champ il y a, avec leur âme, disons, pourquoi pas. Et ça m'a beaucoup frappé, et par conséquent, j'ai oublié tout à fait ce qui aurait pu me faire du mal, c'est-à-dire me montrer. Il y a quelque chose de changé dans ta vie maintenant et dans la vie de Douarnenez depuis qu'on a... Non, dans ma vie, rien de changé, heureusement, et non, rien du tout. Moi, je vais reprendre mes... Enfin, je vais retrouver mes moutons, mes petits moutons, n'importe comment. Mais il est évident que le spectacle même dans Douarnenez, de quelques voitures de la télévision, de Douarnenez comme d'ailleurs, c'est pas... Enfin, ailleurs, c'est pareil, je pense, a pu troubler les gens et se sont demandé pour qui vient-on, pour qui tout ce matériel. Et quand on leur a dit que c'était pour moi, les réactions, naturellement, ont été diverses et plus ou moins gentil. Enfin, je rencontre maintenant des gens dans la rue depuis le tournage qui me disent, des gens que je connais bien et qui apparemment ne m'en veulent pas, et qui me disent, bah, dis donc, hein, tu vas gagner du fric, hein, ça te fait pas mal de briques, etc. Ils me disent ça, je ne sais pas si c'est par gentillesse ou si parce qu'ils veulent que je gagne mieux ma vie, mais je n'ai pas l'impression. Alors, n'importe comment, tu sais mieux que moi et... Nous savons tous que c'est l'amitié qui nous a rapprochés, ce n'est pas l'argent, et l'argent, n'importe comment, il n'y en aura pas. Et je crois, Georges, qu'en plus de tout, tu t'es fait des ennemis avec ma famille. Oui, n'importe comment, c'est une chose qui ne peut pas me faire des amis, dans la mesure où même si les gens qui m'aiment bien, et qui se sont fait une idée de moi quand on aime bien quelqu'un, on le fixe dans une espèce de cadre comme ça. Alors je reçois maintenant des lettres ou d'amis qui savent la chose et qui me disent « ça m'étonne de ta part, tu trahis tes dieux », comme si j'en avais. Enfin, je veux dire que comme si j'en avais, et si c'était les leurs, les mêmes. Donc, tu nous trahis aussi. Enfin, c'est quelque chose qui va les décevoir sur mon compte. Alors ça, c'est à moi de m'en occuper, naturellement, ça me regarde. Mais enfin, j'ai une grosse habitude de la question. Par conséquent, tu n'as pas à te faire trop de bile pour moi. Je ne vais pas me suicider parce que j'ai montré des séquences de ma petite existence ici. Je ne vais pas me suicider, alors rassure-toi. Et si je perds des amis à cause de ça, eh bien c'est qu'ils le mériteront. Ils mériteront d'être perdus en moi parce que je n'ai jamais éprouvé la sensation de faire des choses, de me trahir justement, ou au contraire. Dans la mesure où on a à parler, je trouve que les gens ne parlent pas assez. Je suis, moi, pour la parole, et pourquoi j'ai accepté presque avec plaisir, parce que je suis pour la parole et je suis pour... je ne veux pas prononcer le mot communication qui n'a pas grand sens, mais je trouve que c'était un acte pour moi de responsabilité, justement. Comme ça, au moins, on saura. Et ceux qui diront ce qu'il a dit ne m'intéressent pas, mais au moins, ils sauront que je peux dire des choses qui ne sont pas intéressantes. Ce sera très bien. Parce que comme ça, ils ne se tromperont plus sur mon compte.